Ça me devait dire, ça m'a envie dit, c'est pour nous pas quitter, plein bon Dieu accomplir ça nous. J'aime te dire tout à l'heure, en pile fois nous qu'on estime que vie est injuste. Nous qu'on estime que en expérience ou bien un problème, un bagage à vivre, un bagage qui a passé dans vie nous qu'on injuste par rapport à monde que nous estime que nous hier. Donc face à eux nous qu'on gagne intention fait bac ou bien fait retrait dans vie chrétienne. Mais j'aime te dire tout à l'heure, bon Dieu lui-même n'est pas jamais à passer par un chemin avant. Il pas jamais à faire une expérience avant, sans pas dire un mot, c'est la vie, sans pas dire rien. Je voulais dire, quand tu connais l'origine de ta souffrance, quand tu connais la fin, le pourquoi de ta souffrance, le pourquoi de ton galère, le pourquoi de ton expérience, et quand tu sais que c'est Dieu, alors qu'on est que c'est bon Dieu qui a fait une route avec vous, qui a passé un chemin avant vous, pas chercher empathie l'autre monde, pas chercher pitié l'autre monde, parce que en pile fois nous qu'on oublie l'homme déjà connaît qui ça n'a vu là, l'homme déjà connaît qui ça bon Dieu veut faire avec nous, hein. Nous qu'on quitter nous distrait par soit une famille, un ami qui empathiser, qui t'a essayé chercher une autre solution pour nous, qui t'a essayé ba nous un autre conseil pour nous sortir dans expérience là, pour nous sortir dans route là. Je voulais dire aujourd'hui à méfiez-vous de fausse empathie ça yo, méfiez-vous de parfois fausse prophétie des monde qui qu'on a vinn dire ou bien qu'aborde des messages, des conseils qui contraire à mon bon Dieu sur la vie. Essayez fuir monde ça yo, pas dans le mauvais sens, mais parce que déjà tu connais le mot de Dieu sur ta vie, tu connais déjà la fin. Qui côté expérience là a abouti ou connaît pour qui ça déjà ou a passé par chemin ça. C'était justement ça qui t'est arrivé Jésus avec Pierre, je crois. Le Jésus t'a annoncé que oui, il va mourir et tout. Pierre t'a essayé empathiser à Jésus, il t'a essayé dit Jésus il a fait tout ça qu'on est la plat pour lui pour juste pour empêcher la mort. Le sa Jésus te dit Pierre, retire-toi de moi. Parce que c'était dans le plan de Dieu que Jésus lui-même était venu mourir. C'était pour l'accomplissement du dessein de Dieu que Jésus te doit passer par là. Donc, c'est pas mauvais qu'un ami, qu'une famille essaie d'empathiser. C'est pas mauvais qu'un ami, qu'une famille essaie nous le conseil, mais quand tu connais le plan de Dieu, quand tu as le mot de Dieu, pas quitter, il accompli plein là sans où. Parce que mon Dieu lui-même, elle a utilisé pour faire un bagage, elle a utilisé pour une expérience. Il est difficile pour pas triste, il est difficile pour pas gagner souffrance la donne, il est difficile pour pas faire qu'au formal, pour pas coûter le mieux de vous-même. Mais ce qui ça qui sûr, ça qui comme qu'a dit ça, ça qui sûr c'est que route ça peu importe genre difficile, peu importe genre cahier, l'a abouti à côté l'idou là, l'a abouti à mieux pour vous-même. Route bon Dieu yo difficile, c'est vrai. Yo ka gen crier là-dedans, yo ka gen tout ça qui difficile là-dedans, mais justement ça va aboutir dans bon chemin, là pas aboutir dans bon port là en fait. Donc en pile fois souffrance ou ça bon Dieu qu'on a passé à voilà, c'est pour comme te ka dit, c'est pour réveiller toute une génération, c'est pour réveiller toute une nation, c'est pour sauver toute une nation, comme c'était le cas pour Jésus. C'était pour sauver l'humanité que Jésus était passé dans toute souffrance. Donc, si tu es dans le plan de Dieu, si tu sais que tu as le mot de Dieu, tu as la parole de Dieu, garde-la précieusement et fuis les fausses prophéties,
fui moun k'ap essayé bon parole qui contraire des paroles qui te ka soulager ou vraiment des paroles qui te ka bon pour ou. Mais quand tu sais que c'est le plan de Dieu, c'est l'opposé, fui mauvaise prophétie ou fui vieux conseil. Donc je crois que c'était ça. Ne laisse pas le plan de Dieu, le dessein de Dieu s'accomplir sans toi. Donc bien mon bon Dieu sur la vie, peu importe bien ça qu'a difficile, retenez plan bon Dieu, parce que au final c'est au cap bénéficier. Merci sous tes regarder cette vidéo et au même temps qui peut regarder, mais j'espère que d'une façon ou d'une autre, ou bien une lumière, ou bien un conseil en fait qui pourrait aider dans la vie chrétienne. Au revoir.